avec Clotilde Courau, Stanislas Mérard et Léna Pogam. L'ombre des femmes, le 27 mai au cinéma. Un film France Culture. Le 27 mai, c'est-à-dire demain. Élégant, cruel et tendre, ça nous vous rappelle sur Sonne Marie. Dans les assemblées générales des grands groupes français dans lesquels l'État détient une participation, le dispositif qui permet aux actionnaires les plus fidèles de disposer de vote double est perçu comme de l'interventionnisme. Vous avez demandé de patienter quelques minutes sans qu'on sache très bien pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que l'annonce de la marque a été faite par le biais d'un petit film retraçant l'historique du conflit. Et à 13h36, très précise, nous avons vu s'afficher sur le grand écran la marque 1336. Comme vous l'avez dit, les 1336 jours de lutte des extra-libres qui vont même jusqu'à pousser le symbole à fixer le montant de la cotisation annuelle à l'association de soutien aux extra-libres, force et bonté, à, je vous le donne en mille, 36. Corinne Blotin pour France Bleu Provence et un reportage complet à 18h. Dossier également à retrouver sur notre site internet francebleu.fr. Marion Maréchal Le Pen sera bien la candidate du FN pour les régionales en PACA. Elle le dit à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. La jeune élue du Vaucluse avait demandé un délai de réflexion après les propos de son grand-père Jean-Marie Le Pen sur les chambres à gaz. Cette décision est une très bonne nouvelle, nous dira à 18h Stéphane Rappel.